Bilan des travaux et réalisations 2013. Tout d'abord, la mise en œuvre du projet de scénomusée de la ferme Vincent. Les travaux sont en cours pour une ouverture au public en juin 2014. Vous pourrez assister à un spectacle audiovisuel qui mettra en valeur notre environnement, notre culture et notre patrimoine. Une animation pour capter les visiteurs passant par Saint-Alban, les vacanciers, les 30 000 visiteurs de la réserve de Bison et les 40 000 marcheurs sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le coût, 650 000 euros, avec un financement de 200 000 euros de subvention et les droits d'entrée au spectacle. Voici maintenant les travaux de voirie communale. 500 000 euros de travaux. Un retard d'exécution imputable aux entreprises. Les principales opérations sont chez Chaz et Chassefer avec enfouissement des lignes électriques et téléphones. La place Isidore Chastan. La rue de Bellevue et la voie d'accès de la maison Mendès. Rue de la Tournelle, la partie basse des Roumieux et la voie d'accès à l'EHPAD. Extension du centre de secours des sapeurs-pompiers de Saint-Alban. Le coût en est de 400 000 euros de travaux. L'objet, l'extension des garages pour véhicules d'intervention, ainsi que la mise aux normes des vestiaires hommes et femmes et la création d'une salle de formation et d'un foyer. Travaux confortatifs de murs. Coût 50 000 euros. L'objectif étant la consolidation des murs et l'amélioration esthétique. Les principaux sites sont la place Isidore Chastan, les abords de la maison de santé, ainsi que le mur d'entraînement du tennis. Voici maintenant la restauration du petit patrimoine bâti. 20 000 euros de financement pour le four du Rouget, le four de Chinchaz, le four de Ferluc ainsi que la restauration de croix et calvaire. La restauration des joues de cloche de l'église de Saint-Alban a coûté 16 000 euros. Atténuer les vibrations néfastes pour le clocher était un besoin impératif ainsi que l'amélioration de l'esthétique. Mise aux normes et extension des vestiaires du stade de football.
L'objectif étant de permettre à l'équipe E de pouvoir jouer à Saint-Alban, offrir également aux joueurs des équipements aux normes. Le coût est de 500 000 euros de travaux et les marchés donnés en attente de début de travaux. 400 000 euros d'investissement pour le centre de vacances pour handicapés du Villaret. Mise aux normes du pavillon Théophile Roussel pour accueillir 25 personnes handicapées en séjour de vacances. Et la gestion est confiée à l'association Saint-Nicolas. L'acquisition d'un tractopelle pour les services techniques communaux, 80 000 euros d'investissement. L'objectif étant le renouvellement de l'ancien tractopelle en fin de vie pour divers travaux d'entretien, fossés, chemins d'exploitation, etc. Voilà, nous avons terminé donc notre tour des travaux 2013 en vous souhaitant une très bonne année 2014.